trois races. Alors, pas les meilleures, hein, malheureusement. Alors, encyclopédie des races extraterrestres de Maesta Pastor. Et je vais vous lire les draconiens, les reptiliens et les grands gris, hein, en trois parties. Bon, ça va assez italien, mais bon. C'est. Ouais. Autant commencer tout de suite. Oui, parce que bon, je suis passé au bon, il faut passer aussi au mauvais. Après, il y en a sûrement pas tous mauvais, c'est pas parce que c'est des reptiliens ou des gris. Voilà, il y en a qui sont bons aussi, ça dépend. Bon. Après, c'est l'inverse, il y en a qui sont type nordique et puis c'est des mauvais. Hein. Allez, c'est parti. Je ne sais même plus quelle page. Allez, 130, attends, c'est comme l'autre côté. 131, on va commencer. Enfin, avant, c'était les montres religieuses, c'est pas mieux. Alors, on va commencer par les draconiens. Draconiens. Alors, les draconiens sont comme des alphas draconiens, à la base originaires d'une autre galaxie. Dans notre galaxie, la Voie lactée, leur port d'attache est la constellation du dragon, reconnaissable depuis la Terre grâce à l'étoile Alpha Draconi. Distance de la Terre, 303,3 années-lumière. C'est une race de guerriers et de colonisateurs très agressive. Ils occupent des milliers de planètes. Nos amis de la Fédération signalent leur présence dans la constellation du Dragon, dans la constellation de Cassiopée et d'Orion. D'Orion, là où il y a les gris. Hein. Ainsi que dans les systèmes stellaires de Rigel et de Capella. La race draconienne est considérée comme la race reptilienne par excellence. Ce sont les reptiliens de sang royal. Un draconien mesure généralement. Alors, 4 mètres et pèse plus ou moins 800 kilos. Alors après, ça dépend. Hein. Ça dépend peut-être lesquels. Parce que 4 mètres, ça me paraît. Quoique, David Rousson, dans son premier livre, tome 1, au-delà de notre monde, quand il passait dans un vaisseau pléadien, je sais plus quoi, avec l'armée, il a vu un reptilien qui faisait au moins 3 mètres de haut. Donc, reptilien, draconien. Draconien. Draconien mesure généralement 4 mètres et pèse plus ou moins 800 kg. Se déplace sur ses deux pattes arrière, comme un humain. Son corps est écailleux et est muni de deux ailes comme les alpha draconiens, mais incapable de voler. Ses ailes semblent être un héritage génétique. Ils ont une société très hiérarchisée dans laquelle nous pouvons observer aux côtés des rois et reines, des commandants, des prêtres suprêmes, des soldats et autres dirigeants. Des soldats. Hein. Donc, ils sont télépathes, manipulateurs et généticiens. Ils sont à quelques exceptions près à polarité négative. Leur modus operandi est toujours pareil. Après avoir conquis une planète, les draconiens se livrent à des expériences génétiques sur les autochtones. Ils modifient l'ADN des races autochtones en les combinant avec la leur. Ainsi, ils obtiennent des races hybrides qui par la suite seront éduquées avec des doctrines reptiliennes. C'est pour cette raison que nous avons une multitude de races et de sous-races reptiliennes, ça c'est vrai, il y a tout à fait raison de le dire, qui seront présentées dans le point suivant. Les draconiens plaident pour une autre version de l'histoire humaine. Selon les enseignements, des bipèdes humanoïdes primates ont été créés par les alpha-draconiens en manipulant génétiquement plusieurs races différentes. Bon, il n'y a pas que, il y a aussi des bons qui nous ont modifiés. Donc, il n'y a pas que les reptiliens, bon. Cette nouvelle race était conçue à la base avec 12 brins d'ADN, comme toutes les autres races humanoïdes présentes dans l'univers. 10 des 12 brins ont été amputés à notre race pour la limiter physiquement et mentalement. Ces nouveaux primates évolués devaient seulement servir leur créateur à labourer les champs et comme collectif alimentaire, car les draconiens sont carnivores, comme des esclaves. Quoi, hein. La raison de leur création invoquée pour cette nouvelle race nous rappelle étrangement un passage de la Bible, oui, dans la Genèse 3:23. Dieu, après avoir chassé l'homme du jardin d'Éden, il écrit pour qu'il cultivait la terre dont il avait été pris. Ici, l'homme et la femme ne doivent pas être considérés comme des êtres à part entière, mais bien comme les hommes et les femmes de la race humaine. Ces humains seraient créés sur la planète Mars, encore une fois, on y revient, je pense à André, Mars. Et ensuite acheminé sur notre Terre ainsi que sur d'autres planètes appartenant aux draconiens, toujours pour servir de main d'œuvre et de collectif alimentaire. Vous avez compris, hein, à l'heure actuelle, hein. Sur Terre aussi, non, il y a peut-être une... Il y en a qui ont compris, hein, ils savent. Parce que ça commence à se détruire aussi, ça. Hein. Bon. Ceux qui nous... Hein. Les troubles faits ici ont été des Lyriens. Les Lyriens mettent fin à cette juteuse entreprise draconienne, tout d'abord en informant cette nouvelle race d'humains. D'où l'épisode du fruit défendu de Adam
et Ève. Ici, le fruit représente le savoir. Et que se passe-t-il une fois le fruit croqué? Adam et Ève se rendent compte de leur nudité. Ici, encore une fois, la nudité représente le manque de savoir de cette nouvelle race. C'est peut-être pour cette raison que les Lyriens subiront les représailles des Draconiens et des Reptiliens. C'est pour cette raison que les Draconiens prétendent être les premiers sur Terre. Selon leur version de l'histoire, nous ne sommes qu'une sous-race de révoltés, hein, comme des esclaves. Maintenant, je vais passer aux reptiliens. C'est pas mieux, hein, justement. Juste avant, c'était les menthes religieuses. Hein, c'est pas... Cette race est l'une des plus complexes à décrire, du fait de la variété et du nombre d'individus qu'elle représente. Le terme reptilien est similaire à celui d'humanoïde. C'est bien dit, d'humanoïde. Des milliers de races peuvent être regroupés sous cette appellation. Ainsi, reptilien désigne ici toutes les races et sous-races qui découlent des manipulations génétiques orchestrées par les races draconiennes sur les autochtones des planètes qu'elles ont conquises au fil de leur longue histoire, mais aussi à toutes les races qui, bien que physiquement n'ont pas des traits reptiliens, ont été éduquées avec les doctrines de ceux-ci. Vous imaginez le nombre de races, de sous-races, d'hybrides, de clonages? Parce que les gens, ils s'imaginent toujours les gris. Reptiliens, non, il y a plusieurs races de gris, il y a plusieurs races de reptiliens, il y a plusieurs races de draconiens, tout comme il y a plusieurs races de pléadiens, de ce que tu veux, bref, il y a de tout, nordique, grand blanc, bon, c'est un truc de dingue. C'est pour cette raison qu'une grande confusion est observable sur les informations que l'on peut trouver à leur sujet. Nous pouvons parler ici de vraie pollution de l'information. Nous pouvons citer les alpha draconiens et les draconiens comme étant les deux races reptiliennes pures. Ils sont originaires de l'étoile Alpha Draconis, qui se trouve dans la constellation du Dragon, qui est à une distance de la Terre de 303,3, là, je l'ai dit tout à l'heure, années-lumière. Nos amis de la Fédération précisent qu'une présence, pardon, draconienne sur une planète quelconque est forcément accompagnée de présence d'autres races reptiliennes qui les ont assujettis, qui leur sont assujettis. Ainsi, nous pouvons déduire que, comme les draconiens, les races reptiliennes de rang inférieur sont présents sur les planètes de la constellation du Dragon, de Cassiopée et d'Orion, sur les planètes des systèmes stellaires de Rigel et de Capella, ainsi que sur Mars et sur notre Terre. Oui, parce que sur Mars, c'est des anciennes civilisations reptiliennes, insectoïdes. Il y a même des insectoïdes ou reptiliennes sur Mars primitifs. Des anciennes civilisations qui sont là depuis des milliers, des dizaines de milliers d'années. Et qui sont toujours là, apparemment. Bon. Après, c'est encore à prouver, mais bon. La troisième forme reptilienne la plus répandue est celui qui ressemble à un grand lézard se déplaçant sur ses deux pattes arrière. Faut imaginer le truc, hein. Il y en a qui voient des loups-garous, tout ça. Bon, moi, je me moque pas de ça, hein, parce que bon, ça, c'est quelque chose aussi qui est pas normal, hein. Il y en a qui voient des Bigfoot, il y en a qui voient des Sasquatch, il y en a qui voient des Yetis, il y en a qui voient des Chupacabras, suceurs de chèvres, mitiens sur de bétail, qui est horrible. Puis à la télé, on va vous dire que c'est une secte, tout ça. Genre de truc, hein, une connerie, bon. Là, il faut imaginer, c'est un grand lézard hein, qui marche, mais qui est beaucoup plus grand, hein, 2, 3, 4 mètres. Il hein, faut essayer d'imaginer le truc. Hein. C'est ce qu'a fait David Rousseau quand il était dans le vaisseau, dans son premier livre. Je regarde au-dessus, le tome 1. J'attends le 3 d'ailleurs qui sort l'année prochaine. Au-delà de notre monde, tome 1. Je pense que c'est dans le tome 1 où il parle de reptiliens. C'était pas de reconnaître, c'était des reptiliens, reptiliens de 3 mètres, énormes. Mais énormes. Et heureusement qu'il y avait une sphère bleue pour le reprendre. Après, il a rejoint les Pléadiens, je crois que c'est ça. Mais énorme, un truc énorme, 3 mètres de haut. Là, t'as beau me parler de loup-garou ou de Sasquatch, je crois que c'est encore pire. Là, je crois que c'est encore au-dessus. Enfin, à mon avis, c'est encore pire. La troisième forme reptilienne la plus répandue est celui qui ressemble à un grand lézard se déplaçant sur deux pattes arrière. Il faut imaginer peut-être le poids et tout, ça doit être horrible. Il a comme les draconiens un corps musclé et écailleux. Faut imaginer les poissons, bon. Sauf que là, c'est un lézard. Hein. Bah, comme les gros lézards, ouais. Il mesure entre 3 et 4 mètres. Ce que je viens de dire, le loup-garou, je crois qu'il peut se faire un petit peu écraser. Parce qu'à côté, il fera jamais 3 ou 4 mètres, environ dans les 2 mètres maximum. Et identique au draconien de sang royal. Même le Bigfoot, hein, maximum, j'ai jamais vu un Bigfoot, c'est 2 mètres, 2 mètres 50. Hein. Ce qui est déjà énorme. Que l'on nomme les siakars. Ça, putain, le mec, il sait quand même beaucoup de choses, et ça c'est bien. Ceux-ci sont dépourvus d'ailes. Parce que siakars, ça m'est revenu, voilà. Et certains d'entre eux ont une queue. Hein. Oui, à l'arrière. Hein. Ces reptiliens sont les draconiens de rang inférieur. Ils occupent des postes d'exécutive comme commandant, prêtre ou soldat. Un peu d'humour, attends, attends. Voilà. On rejoint prêtre, commandant et soldat.
Donc je pense à André, tout ça, sur Mars, tout ça, il voyait des soldats, tout ça, comme David Rousseau, ou la Lune. Là, on parle bien de prêtres, soldats et commandants, hein, c'est quand même... Une autre sorte de reptilien connue est celle qui est morphologiquement proche du grand gris. Tandis que le grand gris, alors le petit gris, c'est 90 cm, 1 m 10, hein, au maximum, a un aspect famélique et rigide, son équivalent reptilien, lui a un corps robuste et musclé, c'est une race génétiquement modifiée, un croisement entre draconien et grand gris, qui date sans doute de la conquête reptilo-draconienne de Rigel et de la chute de l'empire des grands gris qui dominait cette planète. Bon, alors les draconiens reptiliens présents sur notre planète sont presque tous morts, ou ont fui la Terre pendant et après les guerres d'Orion, plus précisément après la guerre de Tiamat et l'épisode du déluge, sauf quelques rescapés qui se sont repliés dans les profondeurs de notre planète, où ils se sont rebâtis une civilisation, on les nomme les sauriens. Alors après, on pense aux dinosaures, hein. En dinosaures, on se pose des questions aussi d'où ils viennent, hein. À l'origine, hein. C'est vrai que c'est un peu curieux aussi, les dinosaures, c'est quand même reptilien, un reptile. Bah, sur le coup, oui. Ils sont bipèdes de type humanoïde. Voilà. Je sais plus qui c'est qui parlait de ça d'ailleurs, sur les sauriens, ou je sais plus. Un anthropologue était connu, je sais plus son nom. Les anciennes civilisations qu'ils étaient dinosaures, dinosauroïdes ou reptoïdes. Voilà, faites des recherches, dinosauroïdes ou reptoïdes. Des sortes de lézards à l'époque des dinosaures. Hein. Pourquoi pas des sauriens. Hein, ils marchent sur deux pattes aussi. Hein. Faut imaginer couleur vert et tout, mais bon. J'imagine tout les couleurs vert, mais c'est vraiment une couleur que je vois, mais bon. Ils sont bipèdes et de type humanoïde de taille de poids similaire aux humains. Bon, sauriens. Cette race occupe les profondeurs de notre planète en attendant le moment propice pour la reconquête de leurs anciens territoires, soit la quasi-totalité de la Terre. Vu que la Lémurie n'est plus, cette race est en étroite collaboration avec les humains à surface que l'on peut également qualifier de reptiliens. Ces humains n'ont pas l'aspect reptilien, physiquement ils ne présentent aucun détail qui pourrait les trahir. L'œil reptilien compris. Des vidéos circulent sur le net dans lesquelles vous pouvez observer après un zoom sur des yeux de certaines célébrités qui ont des yeux similaires à ceux des reptiles. Alors là, je me méfie parce qu'il y a beaucoup de vidéos où quand t'as les yeux qui sont filmés, et ça j'ai déjà vu, que ce soit loin ou près, ça arrive que souvent ça fait comme un chat, là. Et ça c'est naturel. Alors attention. Après, il y en a, c'est vrai que c'est bizarre, ça je suis d'accord. Mais il y en a, ça peut être normal. Bon, il y en a, c'est vrai que c'est bizarre. Bon. Ces vidéos sortent le faux à des kilomètres. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Mais moi, j'ai quand même des doutes sur certaines choses. Ce sont de fausses preuves fournies pour appâter, discréter et ensuite réutiliser les chercheurs de vérité. Ces humains sont les restes des anciens vassaux de l'empire des Atlantes, qui était, rappelons, un empire reptilien. Donc, ce que je viens de dire, j'ai plus ou moins tort, mais bon. Ça rejoint quand même ce qu'il dit. Ils n'ont certes pas l'apparence reptilienne, mais mentalement, ayant été éduqués avec les doctrines de ceux-ci, ils sont aussi dangereux et nocifs que les reptiliens. Ils sont rien. Hein. Ils se sentent supérieurs aux humains qu'ils méprisent. Cette caste ne représente pas plus de 2% de la population mondiale. Pourtant, ils en détiennent la majorité des richesses et de ce fait le pouvoir. Vous avez compris quoi? Hein. Je pense que... Bon. Ils sont très impliqués dans les projets du programme spatial. Programme secret spatial, ça rejoint les livres de programmes spatiaux secrets, hein, du nouvel ordre mondial et dans toutes les anomalies tournant autour des enlèvements humains et des bases militaires secrètes souterraines. Nous pouvons encore citer une forme de reptilien bipède insectoïde. Cette forme a été observée plusieurs fois sur Terre. On suppose qu'ils vivent dans les profondeurs avec les sauriens, mais ne représentent qu'une minorité. Ils sont plus petits de taille et mesurent plus ou moins 1 mètre. Bon. C'est un parfait croisement entre une mante religieuse et un lézard. On va finir par les grands gris. L'origine des petits gris est bien connue. Par contre, ceux de leurs nombreuses variantes de plus grande taille restent plus énigmatiques. Étant donné que les grands gris accompagnent la plupart du temps leurs cousins de petite taille, les ufologues en déduisent qu'au moins une de ces nombreuses variantes serait originaire de leur constellation du réticule se mouvant à 39 années-lumière de la Terre. Nous savons aussi que les grands gris se partageaient une planète avec une race humanoïde de type nordique dans le système stellaire de Rigel, hein, nordique, duquel ils ont été délogés par les draconiens à la même période que la grande expansion lyrienne, mais nous ne pouvons pas déduire d'emblée que les grands gris seraient tous originaires de la constellation du réticule, ni du système
stellaire de Rigel. Ce qui complique le traçage de la race et le fait qu'ils sont présents sur de très nombreuses planètes, mais en petit nombre. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'ils sont victimes d'une stagnation génétique et semblent comme les petits gris à la recherche d'un remède pour pallier à cela. Leur morphologie originale reste un mystère. Le gris, avec toutes ses variantes connues, est devenu une race errante à la recherche d'un remède pour remédier à sa dégénérescence génétique, récoltant des échantillons d'ADN à travers l'univers. Nous pouvons distinguer, à part les petits gris de Zeta Reticuli et les grands gris de Rigel, trois autres grandes familles de gris. Ceux-ci présentent des caractéristiques légèrement différentes les unes des autres. Le premier est de type reptilien, sans doute un croisement entre draconien et gris. Le deuxième type est l'Archon. Les informations sur les Archons sont peu fiables. Elles sont issues en grande partie de scénarios de jeux ou de films populaires comme Star Wars. On y revient, hein, toujours dans des films, hein, c'est quand même incroyable. Et c'est ce qu'il dit, comment il s'appelle, David Rousseau. Il parle souvent de Star Wars et ça ressemble beaucoup à ça. Alors moi, c'est surtout les films comme voilà, Alien, Predator. Mais c'est pareil. Si vous regardez les films Prometheus, sur ADN, tout ça, il y a beaucoup d'ufologie là-dedans aussi. Hein. Donc, bon, c'est pas un hasard. Hein. Star Trek aussi, c'est encore autre chose. La race est appartenant l'une des races fondatrices de l'alliance des quatre races. Alliance reptilo-draconienne de polarité négative active sur notre Terre, la planète Mars, encore une fois, et leurs satellites respectifs. Le troisième type ressemble beaucoup aux humains. C'est un croisement entre Zeta et humains. Des fuites d'informations intentionnelles au sujet de ce projet sont constatées depuis quelques années. Les photos de ces êtres hybrides sont accessibles sur le net et un conditionnement lent est observable dans les médias. Notre subconscient est peut-être déjà conquis. Voilà. Ah, c'est intéressant aussi. Évidemment, c'est pas les meilleurs, ça c'est sûr, très loin de là. Les grands gris, les reptiliens et les draconiens. Alors avant, c'était les romances religieuses, mais je vais pas commencer à tout lire. Les draconiens. Voilà. Et oui, je coupe là. Merci. À bientôt d'ici 2 3 jours. Et c'est un très très bon livre. Alors ça rejoint le livre de Lena Danahan. Et toutes les races. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent quand même. Plus ou moins. Hein. Sauf qu'il y a encore beaucoup plus de races que ça. Ça va encore plus loin que ça. Donc dans ce tome 1, j'ai toujours pas le 2, je sais pas quand il va sortir. Enfin en France. En français, je veux dire, traduction française. Voilà, je coupe là. Merci. À bientôt d'ici 2 à 3 jours. À plus.